C'est un retour presque à la normale pour Davy et ses collègues de la caserne du Luc. La routine quotidienne a repris le dessus, même si pour eux, rien ne sera plus jamais pareil. Pendant plusieurs jours, ils ont été au front. Ils ont bravé les flammes, frôlé la mort, des moments qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. On ne pense pas à la peur, en fait. On pense aux missions qu'on a à mener, on pense à ce qu'on peut faire pour aider les gens. On a vu une maison d'une petite dame âgée de 86 ans qui a perdu son mari il y a quelques années. Et là, elle a perdu sa maison et tous ses souvenirs. Donc ça, c'est un peu difficile. Ça nous attriste beaucoup, quoi. Jonathan a été parmi les premiers à combattre les flammes. Malgré ses 8 ans d'expérience et des centaines de départs de feux éteints, il reste marqué par cet incendie hors norme qui se jouait de la lance à eau. Le débit, on était à 1500 litres minute. Et en fait, on a vidé la tonne. C'était tellement rapide, en fait, ça a duré 5 minutes. Hein. Et les flammes, elles étaient tellement hautes. Je vous dis, l'eau du camion, elle s'est évaporée. Elle s'est évaporée, on était obligé d'avancer le camion pour aller chercher les flammes et avoir un jet efficace dessus. Comme Jonathan et Davy, plus d'une trentaine de pompiers de la caserne du Luc sont allés se frotter au feu, parfois pendant plusieurs jours. Parmi eux, certains avaient déjà combattu les gigantesques incendies des années 90 ou de 2003. Des situations extrêmes auxquelles ils ne s'habituent jamais, malgré l'expérience. Ce sont des images qu'on n'oubliera pas, bien évidemment. Quand on voit un front de flammes devant nous qui est aussi haut qu'un immeuble de 2 ou 3 étages, bon, c'est bien évident qu'on se dise qu'on a... On a fait le bon choix, on était au bon endroit, on a réussi. Est-ce qu'on a bien réussi notre mission ? Dans le foyer, l'incendie continue d'alimenter les conversations, sans doute pour évacuer le stress. Derrière eux, les dessins de soutien des enfants du village leur donnent le courage de continuer.